Bonjour mes amis lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance. Tout simplement, c'est que je vous ai fait la vidéo du portail du 8-8-2023. Donc merci pour tous vos abonnements, merci pour toutes les vues que vous avez faites. Et je me suis dit, je me devais, il me semblait bien, je me devais, il me semblait bien, de regarder comment chaque signe vivait ce portail. D'accord? Donc, j'avais besoin de faire ces vidéos pour chacun et chacune. Donc, voilà. Alors, vous, mes amis lions, moi, comment je pourrais sentir ce qui se passe en vous? Moi, j'ai l'impression... Bon, après, tous les signes sont fatigués, hein, d'accord? Le portail est assez hard, sachant que nous avons eu le 1er août, la nouvelle lune, enfin, la pleine lune, le 8 août, le portail, le 16 août, la nouvelle lune, et le 31 août, la pleine lune. C'est ça. Donc, ça va faire beaucoup, beaucoup pour nous. D'accord? En plus, pour vous, encore plus. Et oui, encore pour vous, encore plus. Vous êtes du lion. Donc, je vois... qu'est-ce que je vois? Je vois que vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses. Vous étiez en train de tourner en rond dans une situation, là, que vous êtes en train de débloquer. C'est comme si c'était pour vous une évidence de débloquer quelque chose qui vous impactait et vous aviez marre de tourner en boucle. Je vois aussi que vous avez eu aussi énormément de... concrétisation, d'avancement, d'évolution. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est descendu comme un couperet. Vous êtes redescendu. Vous étiez dans l'élévation et hop, tout est redescendu. D'accord? Ça, c'est l'énergie, ne vous inquiétez pas. Hein, d'accord? Parce que là, vous allez reprendre pied. Ne vous inquiétez pas. Après le portail se termine au 11-12, là, vous allez reprendre pied. Ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est très, très important avec vous. Mais on me dit aussi que vous allez terminer un cycle qui est nécessaire pour vous afin de partir sur quelque chose d'autre. Parce que comme vous terminez une boucle et vous fermez une boucle et vous coupez quelque chose, eh bien, obligatoirement, ça va vous amener sur autre chose. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, on y va pour mes amis lions avec l'oracle des artisans de lumière. La transformation, voilà. Vous avez réussi à poser des limites. L'âge de lumière. Vous avez travaillé sur vous-même. Maintenant, vous pouvez dire oui. Oh. Très bien. Voilà, mais c'est magnifique par contre, hein? D'accord? Alors, nous avons la transformation. Nous avons posé des limites. Nous avons l'âge de lumière. Nous avons le oui. Nous avons un formidable, nous avons la prêtresse, la grande prêtresse. Alors, vous partez sur une grande transformation. Les choses commencent à bouger pour vous. Vous partez sur un nouveau niveau cellulaire avec une guérison profonde à l'intérieur de vous. Sachant que vous avez coupé des choses, tranché des choses, arrêté des choses. Vous avez marre de tourner en boucle parce que vous aviez marre aussi de faire Alors, vous, ce n'était pas comme ça, comme je ne sais plus quel signe. Vous, c'était comme ça. Vous arrondissiez les angles où il n'y avait pas lieu de les arrondir. Pourtant, c'est les lions, ils sont là. Mais non, là, vous n'avez pas envie de... donc, vous avez juste arrondi les ongles, d'accord? Mais vous avez su aussi poser des intentions en posant vos propres limites afin de poser un cadre, afin de sortir de votre épuisement parce que vous aviez marre de vous épuiser pour rien, d'accord? On me dit que là, vous avez su, bah oui, vous avez su dire oui. C'est essayer de dire non, surtout. Parce que vous aviez besoin de retrouver une équité avec vous-même. C'est comme si on vous avait grignoté en permanence. Et cela vous a fatigué. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont nues à vous. Oui, tu peux. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Waouh! Stop. Arrêtez de m'envahir, là. J'ai besoin de calme, là. Là, je me sens calme. Moi, je franchis le portail, en plus, c'est le mien, hein, c'est le mois d'août. Hein, donc, non, arrêtez, calmez-vous. Vous avez certainement remis des personnes à leur place. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez posé des limites. On me dit que là, vous êtes en train de travailler avec la lumière depuis la nuit des temps, mais là, vous êtes vraiment, vous rentrez vraiment dans la sphère la plus haute, là, mes amis lions, sur un... Moi, alors, je vais vous dire quelque chose, je pense que vous savez, peut-être que pour certains, vous savez, nous avons 7 chakras, mais en fait, quand on n'en a pas 7. On en a beaucoup plus. Et donc, vous êtes en train de travailler les autres chakras qui sont au-dessus. Chakra couronne. Et c'est super intéressant.
On me dit que oui, vous pouvez le faire. On me dit que tout ce qui est familial pour vous, c'est votre tribu, d'accord ? Et on me dit par contre, si vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, vous pouvez aussi délester énormément de choses, hein, d'accord ? On me dit que vous êtes appelé à vous élever, à vous révéler, à reprendre les commandes de votre vie, parce que votre chakra du troisième œil va vraiment être énormément ouvert pour partir réellement sur cette grande transformation. On a quand même l'univers, 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 hein, trois fois, d'accord ? Ok. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette vidéo sera courte parce que je fais vos doux signes. Donc, là, vous êtes le sixième, donc je vais me poser, je recommencerai les six derniers demain. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle de la Lune pour mes amis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'oracle de la Lune, s'il vous plaît? Comment ils vivent ce portail? Mais ils prennent du recul. Ils prennent du recul, c'était nécessaire pour eux. Parce qu'ils ont vite compris qu'il n'y avait rien à attendre d'une situation. Et ça fait longtemps hein, qu'ils devaient lâcher cette situation, mais ils ne savaient pas comment la lâcher. Hein. Là, vous avez compris qu'il fallait vraiment lâcher une situation, mais à millions. C'est une obligation pour vous. Hein. Hein. Peut-être que vous avez déjà compris le 1er août et que là, ce portail vous a fait comprendre énormément de choses. En tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but et ce but sera là le 12 août. Parce que vous y verrez beaucoup plus clair. Ok, on dit que vous allez devoir communiquer. Vous allez voir les choses différemment. Ben oui, parce qu'il y avait des nœuds, il y a des choses qui vous ont impacté que vous n'avez pas vu. D'accord ? Alors, on recommence. Vous devez prendre du recul. Il n'y a rien à attendre d'une situation, vous devez lâcher quelque chose. Vous allez atteindre votre but, mais regardez la réalité en face. On dit que la communication sera très bonne pour vous afin de comprendre ce que vous devez réellement lâcher. Malgré que vous le savez, mais là, ça va être très précis pour vous. Je vous ai dit, ah là, c'est parti de ma tête. Réécoutez, hein, je vous l'ai dit. Hein. On me dit que là, vous êtes en train de méditer, de réfléchir à quelque chose pour sortir de votre zone de confort. On me dit en tout cas, le travail que vous avez fait sur vous va payer. D'accord ? Et on me dit qu'un problème personnel va se résoudre. On me dit aussi qu'il y a un début d'un nouveau cycle qui va arriver, mais on me dit que vous allez devoir faire des ajustements qui seront nécessaires avant. D'accord ? Après, on me dit, vous devez lâcher quelque chose en le disant clairement. D'accord ? Afin de partir sur autre chose, afin de partir sur une expansion. On me dit qu'il n'y a rien à attendre d'une situation où vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose, et là vous êtes prêt à sortir de tout cela, de tous ces nœuds qui vous ont impacté. On me dit, vous êtes en train de prendre du recul, vous prenez du recul, afin d'atteindre votre but, parce que là, on vous bloquait. Je ne sais pas pourquoi on vous bloquait, moi je sens qu'on vous a bloqué. Donc comme on vous a bloqué, vous avez eu beau réfléchir, il n'y a rien qui se passait. D'accord ? C'est pour ça que ben, vous avez des ajustements à faire pour reprendre votre équilibre et afin que ce problème se résoudre. Je ne sais pas, hein, c'est un tirage général. Hein. Je vous dis tout ce que je sens et tout ce que je vois. Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières pour mes amis Lyon. S'il vous plaît. Ouvrez votre cœur. Enlevez les barrières que vous retenez autour de votre cœur. Exprimez ce que vous avez à dire avec intégrité. Il y a une vérité que vous devez dire. Une vérité qui vous fait mal. Une vérité qui est là, qui vous impacte le chakra du cœur. Et c'est l'archange Gabriel, hein ? Et l'archange Samuel, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. On me dit que vous allez voir, l'archange Gabriel va vous donner des signes. Et en plus, on a Michel, hein, sincèrement. Donc, vous allez ressentir des signes de l'univers. Vous allez ressentir surtout énormément de synchronicité afin de pouvoir sauter le pas, afin d'ouvrir votre cœur et de dire la vérité, afin de pouvoir vous recentrer sur vous-même, afin d'être dans l'intégralité de ce que vous souhaitez, de parler logiquement en mettant des barrières, mais surtout en vous en remettant votre énergie ou que vous avez perdu surtout. Et aussi, on me dit que vous allez vous concentrer sur vos vraies priorités. On me dit que vous servez de modèle à énormément de personnes.
On me dit que vos prières ont été entendues. On me dit qu'il va falloir purifier vos vibrations parce que du coup, eh ben, il n'y a pas de personnes qui vous envoient des ondes négatives, sachant qu'elles étaient toujours en train, comme des sangsues, à vouloir tout de vous. Hein. Donc là, vous allez pouvoir vous exprimer, faire un choix qui était nécessaire à votre vie. Là, le choix, c'est je purifie, hein, je dis les choses même à mes amis. Voilà. Et je prends surtout du recul avec pas mal de choses. J'ai l'impression que là, vous faites un énorme tri. Ok, après on me dit, on va rester sur les cartes majeures. Il y a des signes de l'univers qui vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir enfin sauter le pas. Les miracles de la prière de Saint-Alphon que vous avez mis, attends, Saint-Alphon, vous avez mis au ciel Saint-Alphon, va faire produire des miracles dans votre prière ou dans vos prières. On me dit qu'il va falloir exprimer la vérité. Ouvrez bien votre troisième œil. Il va bien y avoir une synchronicité. Votre yin et le yang sera bien allumé et bien ouvert, sachant que vous étiez un peu dans le noir, un peu dans le blanc. Vous n'étiez jamais... voilà. Et là, tout s'impacte. D'accord? Et vous allez comprendre que vous êtes un ange terrestre sur la Terre, que vous apportez énormément de choses aux autres. Alors, si vous n'avez pas la perception, vous allez vite le comprendre. On me dit que vous êtes en train d'enlever les barrières autour de votre cœur. On me dit que l'archange Michel va vous entourer de votre lumière protectrice. Peut-être que si vous avez mis des barrières au niveau de chakra du cœur, c'est parce que vous avez mis des doubles et triples protections, une armure complète. D'accord? Et là, Michel vous dit, l'archange Michel vous dit, enlève-moi tout ça, moi je suis là, moi je vais te protéger, t'inquiète pas. D'accord? Et en vous demandant, Michel vous demande de vous recentrer sur vraiment vos vraies et réelles priorités afin de prendre réellement du recul avec énormément de choses. D'accord? Et pour cela, vous allez devoir prendre une décision pour prendre ce recul qui va être très bénéfique pour vous, en tout cas, mes amis. C'est vrai que c'est un tirage général. Hein. Allez, nous allons partir. Alors oui, bon, je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, j'ai décidé de faire ça pour tous les signes, donc je vais le faire aussi avec vous, il n'y a pas de raison. Nous allons faire un petit message par rapport à vos défunts. Voilà. D'accord, on va voir ce que votre défunt, durant ce portail, justement. Hein, bah, normalement, le défunt, il est là, il rentre dans le portail aussi, hein, il est là pour vous aider. Hein. En surtout, encore plus à vous. Bon, mais je vais pour tous les signes. Allez. Qu'est-ce que les défunts ont à dire à mes amis, s'il vous plaît? Relationnel, amoureux, nouvelle compréhension tu vas avoir pour enfin partir sur de nouvelles renaissances, sur une nouvelle régénération, sur de nouveaux commencements. Par contre, tu vas devoir être intègre avec toi-même et authentique avec toi-même. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te lâcher, l'univers est avec nous pour t'apporter tout ce que tu veux. Ok, on parle de financier aussi. De renaissance financière, mais on me dit aussi que peut-être que vous avez été déçu par rapport à quelque chose de financier, d'accord? Peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous n'avez pas accepté les choses, peut-être que vous avez du mal à affronter encore les choses financièrement. On irait voir, hein? Ouais, on me dit que là, non, ok, d'accord. Mais vous êtes en train de guérir par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, vous reprenez votre équilibre. Ok. Peut-être que c'était l'hiver dernier. Ok, d'accord. Alors, on me dit que là, au niveau relationnel, vous allez devoir faire des compromis, des négociations, vous partez sur de nouvelles relations de toute façon parce que vous avez changé en vous, d'accord? Il y a bien un nouveau commencement, des nouveaux horizons qui arrivent, mais soyez intègre avec vous-même et authentique avec vous-même. L'univers est là pour vous. Vous allez retrouver la richesse qu'on vous a peut-être volée ou que vous avez perdue parce qu'on vous a menti, vous avez été déçu et vous n'avez pas accepté les choses et vous n'avez pas vu la vérité et la réalité en face. En tout cas, maintenant, il est temps de partir sur un nouveau chemin, il est temps d'avancer, vous êtes à la croisée des chemins afin de pouvoir guérir aussi, de lâcher prise, de retrouver la paix en vous. Financièrement, je peux vous dire que ça va s'arranger. Hein. Si on vous l'a mis à l'envers à un moment donné, ça va s'arranger. Tout simplement parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Voilà. Il y a eu pas mal de secrets qui ont été cachés, qui ont impacté votre santé en plus. Hein. Ça va être par rapport à des enfants qui vous l'ont mis à l'envers, pour certains, certaines. Pas obligatoire. On dit que, en tout cas, vous allez reprendre votre liberté. Oui, pour certains, on parle de reprendre une liberté, être vous-même, vous libérer de quelque chose au niveau sentimental. Oui, pour ouvrir une nouvelle porte par rapport à un nouveau foyer aussi. Ou vous libérer d'un foyer. Ouais, vous avez besoin de reprendre votre liberté, ça c'est clair. Hein. Ok, nous allons partir avec le tarot. Le tarot du chakra du cœur, bien sûr, c'est obligatoire, on est toujours dans le portail. Hein. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on
venir pour mes amis, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Ouais, alors pour moi, vous avez observé énormément de choses que vous êtes très. C'est pas malin, c'est pas malin, c'est pas ça le mot. C'est que avant de prendre une décision, vous observez. D'accord? Vous observez beaucoup de choses. Vous observez, vous vous renseignez, vous comprenez, vous apprenez avant de prendre une décision. Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous êtes. Vous avez un sentiment de solitude, vous êtes triste, vous êtes dans l'isolement le plus total. Vous voudriez que les choses bougent, et il n'y a rien qui bouge. Ouais, il y a quelque chose qui s'est détaché. Vous êtes détaché de quelque chose. Ouais, vous êtes détaché de beaucoup de choses, même sentimentalement pour certains ou certaines, hein, ça peut être ça. Hein, d'accord? On me dit que là, vous avez manifesté quelque chose dans l'au-delà, afin de sortir de votre solitude, de votre tristesse et de votre isolement. Mais en tout cas, on me dit, gardez confiance, hein, les choses vont bouger. On me dit que vous allez pouvoir de nouveau vous laisser porter pour partir sur un nouveau commencement. On a le 0, on a le 1, on a le 10. Waouh! Eh oui, parce que vous avez réussi à guérir de quelque chose. On me dit qu'après ce détachement, la guérison, elle est là. Et vous allez reprendre votre joie et votre stabilité parce que vous êtes reconstruit ou reconstruite. Ce que vous souhaitiez, c'était simplement l'amour. On me dit que l'amour abonde, mais là, effectivement, vous avez peur. Vous avez peur. Il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous avez peur de l'amour. Vous avez surtout besoin de vous changer les idées et de continuer à vous réparer. Peut-être qu'il s'est passé énormément de choses au niveau familial. D'accord? Ouais. Et vous avez du mal à dire les choses au niveau familial, pour certains ou certaines. En tout cas, vous partez sur un énorme épanouissement et vous allez reprendre votre équilibre. Par contre, c'est à vous de prendre de nouvelles initiatives. Ok? Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai pas fini mes messages. Allez, on y va. Donc, vous partez sur une tristesse, un isolement, mais gardez confiance, il y a bien une reconstruction. Vous êtes dans un sentiment de solitude, mais là-haut, vous êtes peut-être manifesté avec mes prières que je vous ai données. Du coup, par rapport à ce portail, vous allez retrouver la joie et la stabilité. On dit que vous allez observer énormément de choses afin de pouvoir vous détacher, prendre un nouvel envol pour toujours retrouver votre propre lumière. On me dit que vous avez étudié énormément de choses afin que les choses bougent. Les choses vont bouger pour un nouveau commencement. On me dit qu'il va falloir vous laisser porter. Ok? Je ne sais pas si ça vous parlera, moi, tout ce que je dis. Encore, parce que si je mélange tout, ça ne va pas aller du tout. Allez, nous allons partir avec l'oracle du miroir. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Avec l'oracle des morts, qu'est-ce que je peux vous donner comme information, mes amis lions, s'il vous plaît? Ok. J'ai vu la carte, elle s'est retournée, mais elle est tombée. Mes amis lions, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous avez trouvé une solution à quelque chose. Bah oui, vous ouvrez une nouvelle porte, vous allez sur de nouveaux projets. Ok. Ok, attendez. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous allez sur de nouveaux projets. On me dit que vous avez réussi à lâcher prise sur quelque chose, peut-être par rapport à des enfants, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport à des enfants, ou peut-être par rapport à la mère de vos enfants, ou père de vos enfants en l'occurrence, d'accord? C'est plutôt la mère, mais après, vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Ouais. Vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à tout cela. Il n'y a pas eu des soucis financiers, c'est pour ça qu'on a voulu la mettre à l'envers. Mais on me dit que maintenant, vous pouvez être tranquille. Vous attendez un verdict, vous vous retrouvez en jalousie, en triangulaire. Ok, on va faire les messages, après je pense que je vais recouvrir, je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc après, vous avez lâché prise et pris de la distance par rapport à une attente de verdict. Vous partez sur de nouveaux projets suite à avoir vécu des accusations par rapport à des enfants ou par rapport à des enfants. Et vous allez reprendre votre tranquillité. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre aussi peut-être par rapport à des enfants au niveau financier. On me dit quand tout ça vous a amené sur quoi? Sur une triangulaire ou sur un amant de jalousie. Allez, on va continuer, s'il vous plaît. Très bien. On me dit que vous allez recommencer à rêver alors que vous faisiez des cauchemars. Parce que vous allez recommencer à rêver parce que la chance revient vers vous. On me dit que pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter par rapport aux financiers. On me dit que vous avez lâché prise et pris de la distance. La réponse que vous attendez, ça va être une grande joie pour vous. Un verdict va tomber, ça sera une grande joie pour vous.
Et ça sera surtout une renaissance. Il y a un retour de bâton qui arrive, il y a une signature qui va être signée. D'accord. Il y a quelque chose qui va être signé. Retour de bâton, on signe quelque chose, peut-être que c'est ça qui vous met dans la tranquillité. Après avoir fait moult conciliations et négociations et des compromis, c'est bon, ça va le faire. Par rapport, tu vas être un bien immobilier, peut-être aussi, j'ai le bien immobilier, j'ai plein de choses, hein, j'ai les gardes d'enfants, etc. On dit qu'on vous a mis en échec au niveau de l'amour. Il y a bien eu un problème au niveau amoureux, hein, d'accord. On me dit qu'il y a un retour, vous allez refaire un retour sur vous-même. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, malgré toute la culpabilité qu'on vous a mis sur vos épaules suite à une trahison. Vous avez dû vous renfermer sur vous-même pour pouvoir examiner une situation. Et cette situation, après avoir examiné les choses, vous amène sur la protection et sur le miroir magique. Waouh ! Excellent. On a quoi ? Parce que c'est la séparation. Parce qu'il y a eu trop de paroles, il y a eu trop de disputes. Okay. On dit qu'il y a des amis aussi qui vous entourent, qui vous amènent sur un grand changement. Allez, nous allons faire un petit tirage sentimental. Parce que je vous ai dit, normalement c'est 20 minutes. Je fais plus court, mec, mais signe à moi. Vous n'avez qu'à voir. Allez, on y va pour mes amis lions. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La guérison est nécessaire pour vous, mes amis lions. La chance revient vers vous, il était temps. Après avoir vécu la mort de quelque chose. En tout cas, il y a bien une fin de quelque chose pour partir réellement sur une grande transformation. Pourtant, vous n'avez pas été serein ou sereine. Hein, vous étiez vraiment dans l'inquiétude. Hein. Ouais. Mais maintenant, vous allez reprendre votre sérénité. Il n'y a jamais de hasard de toute façon. Vous avez fait un choix qui est nécessaire à votre vie pour jeter l'ancre et partir sur un nouvel enracinement. Après, on me dit... Il y a quelque chose qui est mort au niveau sentimental. Vous avez fait ce choix ou le choix a été acté. La chance revient vers vous pour vous remettre votre tranquillité parce que vous étiez très inquiet ou inquiète. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de hasard, vous êtes protégé. On me dit qu'il y a une guérison qui s'effectue sur vous pour partir sur une transformation pour remettre la sécurité et la sérénité en face. On me dit aussi que vous avez jeté l'ancre et vous partez sur autre chose. Après que quelque chose vous ait mangé, vous ait dévoré, vous a hanté par rapport à la communication, c'est bon, maintenant vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page ou un nouveau livre de votre vie parce que vous avez assez patienté comme ceci. Peut-être avec des enfants ou peut-être que vous avez compris que vous avez peut-être été un peu trop naïf ou naïf, ce que je ne crois pas pour vous les lions. Ce n'est pas votre style d'être naïf ou naïf. Je pense que plutôt il y a des enfants qui vous ont mis à l'envers, qui vous ont amené énormément de difficultés. En tout cas, ça, vous passez sur la nouvelle rive, alors qu'à un moment donné, tout ça vous a mis en perte, ça vous avez été perdu. Mais on me dit que vous n'avez jamais perdu espoir que les choses s'arrangent, et on me dit que là, vous détenez la clé du bonheur. Il était temps, par rapport à un foyer, et parce que vous êtes guidé par les anges, et il y a bien une signature par rapport à un foyer qui vous amènera une renaissance. Ok ? Voilà, c'est court, mais bon, après, je le fais pour tout le monde, donc c'est aussi court pour tout le monde, d'accord? Si ça vous a parlé, continuez à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous, bye bye.